Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour numéro 2 de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc là, on va ouvrir celui de Caroline. Alors, le numéro 2. Là. Alors, qu'est-ce que ça va être? Hop, mes petits ciseaux. Enfin, petits. Tout est relatif. Fais gaffe à rien découper. Là, normalement, on est bon. Je vais juste faire une toute petite dentelle parce que. Hop. Parce que s'il y a quoi que ce soit. Alors. Ouh. Waouh. Punaise, mais Caro, elle fait des trucs de dingue. Oh, elle est super belle, ta mémo. Ah non, mais il n'y a pas moyen, faut que tu nous donnes les fichiers. Hein. Parce que ça, c'est sûr, c'est fait à la Cricut. Elle est magnifique. En fait, je l'envie de savoir créer des fichiers comme ça. C'est un truc de ouf. Elle est super belle. Je pense que vous allez bien voir. Donc, il y a un petit traîneau Père Noël. Là, c'est des poinsettias qu'elle a mis. Elle est magnifique. Merci beaucoup Caro, j'adore. Et là, elle m'a mis des petits autocollants cœur blanc pailleté. Ils sont trop mimi. Caro, merci beaucoup. Hop. Ah ouais, franchement, magnifique. En plus, Caro, elle m'a dit qu'elle avait fait toutes les mémos sur le thème de Noël. Ben franchement, il y a du niveau. Franchement, je crois que je n'ai pas fait aussi bien. Bref, on verra bien. Ensuite, on va faire celui de Gaëlle. C'est celui qui était au-dessus. Donc, le numéro 2. Donc là, c'est que des breloques. Puisque c'est un calendrier de la même breloque. Ben alors... Normalement, il n'y en a plus. Je vérifie parce que... Non, les toutes petites, des fois, elles restent coincées. Alors, on a une très jolie biche. Elle est magnifique, j'adore. Avec une fleur rose. J'espère que vous verrez bien, il n'y a pas trop de lumière. Il fait encore nuit alors qu'il est 10h du matin. Merci beaucoup, ma petite Gaëlle. Elle est magnifique, ta biche. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Alors, toi, je te mets là. Et Gaëlle, il y a un paquet. Un cadeau. Donc, aujourd'hui, j'ai pas eu d'indice parce qu'elle m'a dit que je savais ce que c'était, que j'avais deviné. Donc, normalement, celui-ci, j'avais dit que c'était un vinyle de la Cricut. Et vu que j'ai deviné, bon bah, je sais ce que c'est. Mais quelle couleur? Suspense. Ouais. Hop. Oups, pardon. Ah, génial. C'est un gold. Ah, top. Parce que celui que j'ai... C'est un gold à paillettes, mais c'est une horreur à découper. Il est super relou. En fait, je pense qu'il faut passer plusieurs fois sur celui que j'ai. Et je pense jamais à modifier la coupe. Alors que là, normalement, ouais... Là, c'est un vrai gold. Un vrai, vrai gold. Oh, j'adore. Il est tout fin en plus. Merci beaucoup, ma petite Galou. Hop, je vais direct aller le ranger dans le tiroir, celui-là. Hop, tac, tac, tac. Et voilà.
Donc, Avenil Gold. Ensuite, Magali. Bah alors, ah. Nous sommes le 2. Alors, je pense qu'il doit être par là. Ah bah non. 16, 7. Ah si, il est là. Hop. Donc aujourd'hui, le petit pingouin. Alors, je vais essayer. Ça m'en... Je vais couper sur le côté, à la limite. Bah, j'ai bien fait de pas aller trop loin parce que je crois que c'est des découpes. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai bien fait de m'arrêter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des potées papillons. Enfin, petit. On a de toutes les tailles. Ouais, il n'y en a plus. Alors, je remets celle-là. Le petit chocolat pour après manger. Hop. Et donc, elle a fait plein de découpes de papillons. Alors, je pense qu'il y a trois tailles différentes. Ouais, c'est ça. Il y a trois tailles différentes. Elle a fait sur du papier miroir un petit peu rose. Franchement, j'adore. Elles sont super belles, tes découpes. Tac. Ah non, bah, il y a une taille intermédiaire encore. Ouais, il y a encore une taille intermédiaire. Donc il y a quatre tailles de découpe. Eh ben, j'ai de quoi faire. Merci beaucoup, Magali. Oups, je vais toutes les mettre là. Merci infiniment, Magali. Et ensuite, on finit avec celui de Nathanaël. Nathanaël, le numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, il est là. Alors, je fais à l'envers pour pas voir. Tac. Le numéro 2. Un Noël magique de Scrap Didi. Mot en bois. Ah, génial. Ah ouais. Eh ben, je pensais me faire un album de Noël. Eh ben, il ira dessus. Merci beaucoup, Nathanaël. Je suis désolée, j'ai le nez. Ça s'entend, j'ai le nez complètement pris. Hop. Alors, je peux pas l'enlever. Alors, je vais essayer de décoller ça. Parce que du coup, ce serait dommage que ça parte à la poubelle. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cube, gub, les trois pièces. Alors. Poubelle. Ah, c'est des...
c'est des boîtes qui s'empilent. C'est génial pour mettre, je sais pas, des conneries qui traînent sur le bureau. Ah ouais, c'est trop stylé. Dans le sens qu'on veut. On peut même faire ça là. Hop. On fait en 2 et 1. Ah ouais, génial. C'est une bonne idée. Ouais, j'adore. Toc. Toc. Eh ben, les filles, je vous remercie infiniment. C'est un bon jour numéro 2. Merci tout plein. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à demain dans le jour numéro 3. Bonne journée. Bisous.